La société MVG a été créée en 1986, donc elle a 30 ans. Et depuis 20 ans, elle est en croissance organique entre 5 et 10% par an. Elle est cotée sur Alternext et elle pèse en 2016 66 millions d'euros. Elle est forte de 350 personnes réparties sur les trois continents, Asie, Europe, États-Unis. La société est constituée de 12 filiales, dont 5 de production. Notre métier, c'est la fabrication d'antennes, le design d'antennes et la mesure d'antennes. On intervient sur l'aéronautique, sur la défense, sur l'automobile et les télécoms. Nous avons 5 sites de production et ces 5 sites travaillent ensemble. Donc c'est très particulier. C'est des échanges financiers, c'est des échanges d'avancement de projet et c'est des échanges de matière, de produits, produits semi-finis. Une volonté d'extraire et de faire des reportings pour la direction générale, pour la direction financière, pour la direction technique. Il nous fallait un outil qui puisse avoir l'intelligence de rassembler l'ensemble de ces différents aspects. Et SAP Business by Design s'est révélé être l'outil idoine. Et cet apport, il est très clair pour le client. On a une capacité de réponse, dans certains cas une capacité d'anticipation, mais on est sûr de pouvoir apporter la bonne information au client final. Et pour nous, c'est fondamental. La mise en place d'un ERP pour nous était quelque chose de très important. On le savait en interne, mais on n'était pas capable de le mettre en place facilement. Et Ubister, société bretonne à côté de notre filiale en Bretagne, avait déjà créé ce lien qui permettait d'avoir la certitude que l'ensemble de l'ERP allait être mis en place de façon sereine, paisible et professionnelle. Auprès d'Ubister, on achète l'expertise. Une fois qu'elle est dans le groupe, on la diffuse. Nous avons une interaction avec Ubister, justement pour avoir ce haut niveau d'information, ce haut niveau de connaissance. Notre domaine d'intervention est très large. À l'heure actuelle, on parle de la 5G. Nous, on veut être un acteur important de la 5G. Donc, les futures années vont être des années de croissance, des années de R&D, de créativité, de nouveaux produits. Tous les modules nous permettront de bien travailler pour répondre aux attentes de nos clients.